Le RDR en action pour la remobilisation de ses militants. Ce dimanche après-midi, les habitants de Kumasi reçoivent la visite de plusieurs membres du Rassemblement des Républicains, avec à leur tête Ibrahim Siseba Kongo, cadre du parti et par ailleurs député de la commune. Une rencontre politique pour parler de paix, de réconciliation et surtout de remobilisation autour du président Alassane Ouattara. Pour Ibrahim Bakongo, le chef de l'État est le seul qui peut conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence et ses actions le démontrent bien. Ce qu'il a fait se voit et se touche du doigt. Les routes, toutes les routes, je dis bien toutes les routes, sont en train d'être réhabilitées pour celles qui existaient. Celles qui n'existaient pas, elles sont actuellement en chantier. Beaucoup sont terminées déjà. Dans peu de temps, on va aller à Jacquesville sans avoir le souci du bac. À Boisflay, un peu partout, les ponts sont en construction. À cela, l'intervenant principal ajoute, entre autres, que le problème d'approvisionnement en eau potable ne sera plus bientôt qu'un vieux souvenir. Il évoque également les nombreuses localités électrifiées ou la construction de près de 7000 classes en 3 ans. Selon lui, la machine RDR est en marche. Pour cela, il demande aux militants de raffermir leurs liens pour que le Rassemblement des Républicains continue d'aller de l'avant.